Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve. Oh, c'était quoi ce bien que j'ai fait? Il était genre trop méga chelou. Alors, dans cette vidéo, je vais acheter plein de t-shirts. Donc, parce que tout simplement, je pense que vous le savez, que je vous en fais gagner énormément quand je fais mes lives MSP. Et que, arrivé à un moment donné, voilà, même si j'ai acheté plus de 50 t-shirts, je ne sais pas combien, j'ai dû en offrir plus de 50 même, je ne sais plus. Eh bien, il arrive un moment donné où on arrive au bout des t-shirts et qu'il faut que j'en rachète. Alors pour ça, petite technique que moi je fais qui est rentable uniquement pour l'achat de plusieurs t-shirts à la fois. Parce que je pense que pour un t-shirt, 25 diamants, franchement ça fait cher payer quand même. Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui en sont capables, parce que c'est vrai que le t-shirt c'est vraiment une aide terrible pour monter les niveaux. Donc comme pour les gens qui se sont perdus sur cette vidéo et que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est tout simplement une technique qui vous rapporte énormément de fame, donc pour monter rapidement de niveau. De toute façon, je vous invite à aller regarder mes vidéos qui expliquent comment faire, etc., etc. Enfin bon, voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'achat. Donc chez moi, il est 4h du matin au moment où je fais cette vidéo, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs, je parle pas très très fort. Parce que tout simplement, sinon je n'arriverai pas à le faire. Or, ouais, c'est en active. J'aurais pas pu le faire sinon, ce serait trop compliqué pour moi. Et du coup, pendant 60 minutes, mais bon, franchement, moins en 5 minutes, c'est fini. Parce que, voilà, ça va partir très très vite. Parce que même... Bah, petit chat. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, le chat s'excite. Il est pas content. On va dans le shopping. Oui, petit chat, on t'écoute, loulou. Faut aller dans les thèmes, et si je me souviens bien, le thème, ça doit être sur la deuxième page. Ce n'était pas celui-ci, c'était celui-ci, c'était le Bubble Pop. Alors, on va aller voir sur la deuxième page. Oui, voilà, donc à la place de coûter 50 000 Starcoin, il coûte 25 000. Donc quand on en achète plusieurs, donc là techniquement 6, 12, 24, je peux en acheter 24 en tout. Bon, on va acheter 24 t-shirts, hein. Voilà, on va les acheter, on va en acheter en rose, plusieurs. Voilà, et de deux. Ah mon dieu, quand je vois mes Starcoin partir, ça fait mal au cœur. Mon cœur est en train d'imploser. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'ai menti. Par contre, on va en prendre aussi plusieurs en jaune. Parce que malgré tout, vous me l'avez quand même beaucoup demandé, ce t-shirt jaune, hein. Donc je le prends en rose parce que vous me le demandiez beaucoup, mais en jaune, vous me demandez... En plus, c'est vrai qu'en jaune, il fait bien quand même. Hein. Il rend bien en jaune. Hein. Donc on va le prendre plusieurs fois en jaune, jaune, jaune. Au moins 10 en jaune, comme ça, voilà, ce sera celui-là que je vous ferai gagner. Seront principalement jaunes. Ouais, c'est trop beau le jaune. C'est vrai que c'est beau, hein, ça fait la couleur du printemps et tout. Je vais en prendre aussi, je pense, en blanc et en noir, parce que c'était aussi les couleurs les plus demandées après le rose et le jaune. Il y avait le blanc et le noir, donc on va les prendre en blanc et en noir également. Après, voilà, je change pas vraiment la couleur ici. Le noir et le blanc, je le change pas, parce que je trouve qu'il est bien comme ça. Même si des fois, c'est original de le changer. Mais bon, là, je vais pas trop m'embêter avec ça. Oh là là, quand je vois tout ça défiler, mon argent. L'argent, l'argent, l'argent. Non, la monnaie, elle disparaît. Il y a mon chat qui me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à gueuler devant son ordinateur, là. Alors, on n'est pas loin du compte, je pense, là. Hein. On n'est pas loin du compte. Écoutez, on va prendre maintenant en blanc. Ouais, le sort de blanc délavé, ça le fait aussi. On va en prendre deux comme ça. Voilà, en noir. Et encore un en blanc, et puis... Et puis, écoutez, bah, de toute façon, j'ai plus de monnaie. J'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vous avais dit? 5 minutes, ça me suffit. Mais en vrai, 3 minutes, ça m'a suffi. Bah, écoutez, il nous reste 12 000 Starcoin. Hein. On ne peut plus acheter de haut comme ça. Est-ce qu'on peut acheter la casquette? Non, même pas. La casquette, elle est à 35 000. Ça ferait déjà plus de 17 500, je crois. Si mes maths sont bons, c'est 17 500 pour une casquette. Donc, même que la casquette, je peux pas la prendre. On va en profiter pour 12 000 Starcoin. Et bah, écoutez, on va faire un petit tour sur le dernier thème.
pour nous faire un joli petit thème. Voilà, hein, on en profite. Alors, j'ai envie de me prendre cette coupe là, mais regardez combien il me reste de diamants. Je vais pleurer, du coup je vais pas prendre cette coupe même si je la trouve très belle. Et on va prendre un autre truc. Ça c'est pas mal aussi. Ça me plaît bien. Est-ce qu'on peut faire genre un truc un peu plus foncé? Genre comme ça, histoire de personnaliser un minimum. Des bottines, les bottines ne changent pas de couleur, c'est bien comme ça. Ça aussi c'est pas mal, hein, mine de rien. C'est pas mal, mais bon. Ça aussi j'aime bien. Il y a trop de choses que j'aime bien en fait dans ce thème. Regardez la jupe avec le haut là, ça fait bien. Avec le jeans encore mieux. Bah, écoutez, on va partir sur un truc un peu plus. Gris. Attendez. Gris. On va partir sur le gris. Avec ça, c'est bien. Ça me paraît cool. Par contre, les chaussures là qui vont. Ouais, au pire avec celle-là. Par contre, elle a pas de cheveux. Ok, après, c'est plus le bon thème, on revient. Ah, du coup, en fait, il y a que ces cheveux-là hein, dans ce thème. Je vois pas d'autres. Bah, enfin, si, il y a ceux qui coûtent des diamants, mais je vais pas payer en diamants, faut pas exagérer. Hein. N'exagérons pas. Hein. Ah, si, là. Si, ouais, mais cette coupe-là, ça fait trop la fille Adams. À moins qu'on trouve une autre couleur qui conviendrait mieux. Blond, ça fait trop gentil. Noir, ça passe, mais à la limite, c'est ça, je mets en rouge, en bordeaux. Ouais, je suis pas super fan. Peut-être du châtain. Non, ça fait genre trop... Enfin, on va dire que son look, au niveau de la tenue, ça fait trop femme, ça fait trop... Voilà, ça fait trop... Par rapport à la coupe, ça va pas. La coupe, elle irait bien, par exemple, avec ce costume-là. Enfin, ce costume, cette robe combi, je sais pas trop comment appeler ça. Un truc qui fait plus années 70 ou ça, mais pas avec le look que je mets actuellement. Par contre, là, c'est... Ah, mais c'est le truc d'Harry Potter. Oh là là, c'est le diamant, j'ai envie de le prendre. Mais non, j'ai plus de diamant. C'est la fin de Quinzel. Quinzel n'a plus de diamant. Ah si, il y a cette coupe-là. Mais celle-là, enfin, je sais pas si c'est la couleur. On va changer la couleur. Ouais, mais même en changeant de couleur, elle est pas ouf. Je sais pas, elle est bizarre. J'ai l'impression qu'on a un casque sur la tête. Enfin, je sais pas, c'est chelou. On va tester en châtain. Même en châtain, ça passe pas trop, quoi. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on n'achète pas de coupe. Hein, parce que je vais pas m'obliger à acheter une coupe juste pour le thème, alors que j'aime pas les coupes. Bah après, c'est celui-là qui serait le plus normal, c'est celui-ci, quoi. Mais en noir, ça le fait pas. En blanc, je suis pas non plus fan. Peut-être changer la couleur de la barrette, mettre une barrette noire, mais même comme ça, non, je trouve que ça fait pas, c'est pas beau. C'est pas très très la beauté. Ouais, bah du coup, on va faire comme ça. Bah écoutez, on va tout acheter. Hein. Et voilà, bah ici, ça rend bien avec la coupe-là, ça passe quand même. Donc on va laisser comme ça. Je suis assez contente. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dernière chose, on m'avait donné aussi une idée de vidéo qui était de faire en fait un look avec le premier thème d'MSP. Donc attendez, on va revenir ici. Le dernier thème, c'est Old Theme. Bah, on m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo dans laquelle tu fais un look avec ce thème-là. Alors, est-ce que ça vous intéresse ou pas que je le fasse? Ça vous intéresse, dites-le en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. Sinon, bah, ne dites rien. Mais attends, il y a combien? 105, plus de 150 pages pour le hall de thème, je vais y arriver. Eh ben, on va se marrer. Hein. Mais juste comme ça pour me donner une idée. Je rigole, mais cette robe, mais bon, elle coûte en diamant, elle est vachement belle. Et ça? Oh non, c'est horrible! Ah mon dieu, on va pas regarder des trucs qui coûtent des diamants, mais lol, non. Non, 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 c'est moche. Oh, c'est horrible. Et est-ce qu'il y a au moins un truc beau? Même les coupes, elles étaient pas belles. Bon, enfin, je sais bien qu'il faut commencer quelque part. Enfin, mais quand même. Ça, c'était coupe émo. Ah mon dieu. Bon, j'arrête le carnage, je vais pas me spoil plus, mais
Mais ça promet, franchement, si vous voulez que je fasse cette vidéo-là, ça promet parce que c'est moche. C'est pas très beau. Après, peut-être plus loin, il y a des trucs plus jolis, mais je vais pas me spoil. Mais enfin, bon. Bah écoutez, bah moi je pense que je vais arrêter la vidéo là, va falloir que je me refasse des Starcoins si je veux faire le look, parce que sinon bientôt je vais être fauchée, je vais être à la rue, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Hein. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, bisous à vous, ciao ciao.